Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Driving School 2016. Bien sûr, présentation numéro 3. Et je crois que c'est la deuxième saison qui dure plus longtemps que les autres. La première c'est Infinite Flight, que peut-être je reprendrai. Alors voilà. Voilà quoi. Alors maintenant nous allons passer... On avait pris le beau 4x4, hein, GLK ou CLA, je sais plus. Mercedes, et maintenant nous allons passer, et oui, Porsche Macan. Très beau, très belle voiture. Nous allons y passer, nous allons aller en Arizona, comme d'habitude. Et bien sûr, perdons pas de temps, hein, on y va tout de suite et... mieux. On attend un peu que ça le temps passe. Alors j'espère que la vidéo score du jeu Score Hero vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker la vidéo et surtout me dire dans les commentaires pour commenter si la vidéo vous a plu. Je redis encore vous a plu. Je rigole. Voilà. Alors Porsche Macan. Très belle voiture, hein, j'adore cette voiture. Que ça soit en vrai ou en faux. Hein. On va voir le moteur. Une Porsche, hein, tout le monde sait que Porsche fait des très belles voitures. Hein. Petite info que vous peut-être que vous savez pas, c'est que Porsche, monsieur André Porsche et le créateur de la coccinelle de 1943 je crois qui a servi à l'armée allemande nazie pendant la seconde guerre mondiale. Alors il n'y a pas eu beaucoup d'exemplaires pendant ce temps là, mais dire que monsieur André Porsche est l'europropriétaire de l'ancien parce qu'il est mort de chez Volkswagen. Et peut-être une autre information qui va vous aider aussi, c'est que il n'y a pas que ça comme histoire. Monsieur Hugo Boss, vous connaissez la marque Boss, quoi. Boss B-O-2-S, voilà quoi. Le parfum, habit, voilà, chemise. C'est lui qui a créé les tenues des Allemands nazis, et les SS, les voilà, pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors là, peut-être que je vous apprends quelque chose. Alors moi, quand je l'ai appris, j'étais vraiment choqué. Parce que un inventeur d'une marque pareille... ah, voilà, vous avez vu, l'intérieur a changé. Un inventeur de marque pareille... qui crée les habits allemands, ça... Voilà, quoi. Et donc voilà, j'espère que la saison de Driving School vous plaît. C'est un peu le but. Et si elle vous plaît pas... Ah, on n'est jamais arrivé par là. C'est une base militaire à ce que je vois. Voilà, donc je prends... Oh, vas-y, remets-toi. Voilà, donc on va passer une voiture, je pense, hein, parce que là, elle est foutue. Donc voilà, j'espère que la saison de Driving School vous plaît. Parce que je vois, oui, elle vous plaît. Petite dédicace à Karim David, hein, encore une fois. Quoi, maintenant. J'espère que vous êtes abonné à Kuma Ichigo, Toto Maquette, Arthur Gamer et Wallace Todd Bayet. Car c'est mes amis et voilà quoi, je fais de la pub, c'est normal, hein. Voilà, donc là on est toujours dans les 4x4. Alors je vais voir combien il y a 4x4. Il y a beaucoup de 4x4, hein. Alors non, on va pas faire l'escalade, on va pas faire le Q5 et on va faire le Bentley. Alors je savais pas qu'il y avait ça existait comme ça.
Voilà. Donc on va aller en Arizona, hein. Je suis désolée, mais parce que les autres ça bug. Voilà. Alors après, comme vous voyez, il y a un bus à gauche. Donc après, on fera la saison présentation bus. Et derrière, je sais pas si vous voyez, derrière le loading, et ben il y a un camion. Et on fera présentation camion. Voilà. C'était l'information du jour. Voilà, donc. Oh là 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 là. Oh là là. Attention. On va y aller là. Oh là là, ça va. Oh là, ça envoie du lourd. Oh la vache. Oh, l'intérieur est pas mal, hein. Sachant que là, je suis sur tablette Android, Samsung Tab 4, Galaxy Tab 4. Tout ça. Oh non, oh non, oh non. Voilà, donc on va tester les clignotants. Ouais. Ouais, donc c'est normal, hein. Ah, j'ai pas vu ça, pas. Mais ça a une, ça a le ton d'un klaxon d'un camion. Voilà. Dans le jeu, c'est comme ça avec les trucs de camion. Alors là, on va essayer de faire attention. J'aimerais bien arriver jusqu'à la base militaire qu'on a vue là. On va enlever le mode de sport. Bon, vu que c'est un 4x4, ça monte tout, hein. Mais pourquoi il s'y freine pas, là? Et peut-être, j'ai bien dit peut-être, nous nous retrouverons pour la première fois dans la chaîne sur un PC. Je dis bien PC. Et sur un jeu extraordinaire qui date de il y a 5 ans, mais extraordinaire, hein, je veux dire. Attention. Alors, jeu gratuit sur Steam, hein. APB Reload. Alors, un jeu vraiment superbe. Alors, on choisit entre un criminel et un justicier, donc policier, quoi, justicier. Et moi, je suis policier et tu peux tout, mais vraiment tout customiser. Même les habits, les voitures, les armes. Vraiment tout. C'est vraiment superbe. C'est un jeu, gratuit, bien évidemment. Il n'y a pas comme les graphiques de GTA. Mais c'est un peu le même genre, hein. Un peu le même but que GTA. Et ce qu'il y a de mieux dans ce jeu, c'est qu'on est en partie multijoueur en online avec plusieurs personnes, bien sûr, c'est ce que veut dire multijoueur. C'est magnifique. Ce jeu est magnifique. Alors là, mesdames et messieurs, nous nous retrouvons avec une voiture extraordinaire. La BMW M6. Eh ouais. T'as vu? Eh ouais, moi j'ai bien dit ça. Eh ouais. Eh ouais. Eh ouais. Alors Sylvain,
Tu vois, là, la M6, ça c'est une M3, là, la bleue que vous voyez sur l'écran. Une M6, ça raserait tous les cheveux de Sylvain Duris. Tout. Tout et tout. Ah, je l'assure. Voyez, ça bug. On va aller sur Arizona. Parce que ça bug. Et moi, je déteste quand ça bug une seule fois. Voilà, donc on va retourner sur l'Arizona map. Et vous savez quoi, les gens? On va se mettre. Mais. On va se mettre en nuit. Et ouais, pour la première fois dans cette chaîne, on se met sur Driving School en nuit. Et ouais. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas fait depuis. Et on va voir le changement entre le jour et la nuit sur ce jeu. Attendez, on va rallumer le moteur. Est-ce que vous avez entendu ce bruit-là? Alors on va aller à l'avant. J'adore cette voiture. Pourquoi ça? Les clignotants? Bref. On va mettre les phares, bien sûr. On va tester le moteur. Dans les essuie-glaces déjà. Petits essuie-glaces, hein, comme dans toutes les sportives. Hein. Donc attendez. Alors elle pousse, hein. Elle pousse, y a pas de problème. Pourquoi ça dépasse pas les... Vous avez bien vu, ça dépasse pas les 140. Ah. Oh! On a retrouvé notre petite barrière. Et donc voilà, bon, on va se quitter sur ça, les gens. Salut les gens!